Suprema, c'est une PME d'une centaine de salariés. Donc il y a 7 plateformes sur lesquelles Iprema réceptionne des matériaux issus des déconstructions, soit de bâtiments, soit de voiries. Et ces matériaux sont transformés sur la plateforme en granulats recyclés qui sont réutilisés dans les travaux publics. Iprema, depuis toujours, lutte contre toute forme de pénibilité. Donc tout ce qui peut être amélioré pour faciliter le travail de nos salariés, on essaie de le mettre en place. La CRAMIF a mis en place un partenariat avec Iprema dans le cadre de TMS Pro saison 1 et dans le cadre de Risque Chimique Pro actuellement qui continue et dont nous avons fait une application sur le site de Gennevilliers. Le partenariat est un suivi un peu plus particulier avec l'entreprise et dans le cadre d'Iprema, nous avons fait un contrat de prévention qui est encore en cours. Ça fait quelques années qu'on travaille avec la CRAMIF. On a commencé par travailler sur les TMS. Sur l'installation elle-même, il y a tous les outils destinés à faciliter le levage et la manutention. Donc il y a une potence, il y a un système de retournement du rotor, qui est une pièce très très lourde. La potence nous aide à changer les battoirs, qui ont une pesée de quand même de 300 ou 400 kg pièce. Donc ça nous aide énormément pour la maintenance. Et ensuite est arrivé à l'occasion d'autres projets de reconstruction de nos plateformes, l'étude sur l'aménagement des nouvelles générations de cabines de pilotage, avec notamment la mise en place d'un plénum soufflant destiné à préserver l'air que respire notre pilote d'installation. La cabine de tri sert à trier les déchets qui peuvent rester dans le cheminement pour que le matériau soit propre. Alors dans cette cabine de tri, là, tout est différent à part avant. Déjà, on a une baraque qui est complètement fermée, ergonomique. Quand il fait chaud, il y a la climatisation. On a un plénum pour éviter pour les poussières qu'on inspire. Et puis, il y a beaucoup moins de bruit. Alors ici, sur le site de Gennevilliers, les risques chimiques sont principalement liés aux poussières. Et notamment sur ce site de Gennevilliers, on a apporté un soin tout particulier à la gestion des poussières, que ce soit au niveau de la production, avec toute une série d'arroseurs, de brumisateurs, ou encore tout au long du process, avec des systèmes d'arrosage pour limiter les émissions de poussière. Alors avec la CRAMIF, on a pu mettre en place un canon à brumisation. Donc c'est pour limiter l'envol des poussières. Donc à chaque fois que le chargeur va venir sur le tas de matériaux bruts, comme il y a la brumisation, ça va toujours l'arroser et arroser la piste en même temps. Alors c'est sûr que les salariés travaillent dans de meilleures conditions, donc sont plus efficaces. Certainement qu'ils seront moins arrêtés, moins malades. Et après, c'est une fierté pour l'entreprise. C'est quelque chose sur lequel on peut communiquer et valoriser à l'extérieur. On a fait venir un pilote d'installation d'un autre site et il nous a simplement dit « je veux la même ». Ça veut tout dire.